m'appelle Claire Labbé, j'habite à Merville, ici, là on est dans la pâture. Et je suis entrepreneur, coach et équi-coach. J'accompagne les personnes à être heureux. Alors c'est déjà, c'est pas moi qui les rend heureux. Ça c'est la première chose, c'est un travail personnel. Et je travaille beaucoup avec les chevaux pour accompagner les personnes à se reconnecter à leurs sensations du corps, à leur intuition, à lâcher le mental, à s'écouter vraiment. Et puis, les chevaux nous aident beaucoup à ça parce qu'eux, ils sont extrêmement connectés à ce qui se passe dans leur environnement, extrêmement connectés au moment présent. Et donc, grâce à leur présence, grâce à leur sagesse et à travers un certain nombre d'activités qu'on fait avec eux, moi, j'accompagne les personnes déjà dans un premier temps à se reconnecter à leurs sensations du corps et à aligner leurs trois cerveaux, c'est-à-dire le cerveau rationnel, le cœur qui donne l'intuition et puis le corps qui permet de nous mettre en mouvement. Mais majoritairement, les personnes qui viennent sont des personnes qui ont envie d'avoir une meilleure confiance en eux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec le fait d'avoir perdu du sens, d'avoir pas suivi le bon chemin pour eux et qui veulent se reconnecter à ce qui fait sens pour eux et faire des véritables changements à la fois dans leur environnement personnel mais aussi et très souvent changer de carrière. Donc ici c'est Esperanza. Et cette jeune demoiselle est celle qui a complètement changé ma vie parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert l'accompagnement par les chevaux parce que c'est elle qui a commencé à m'accompagner toute seule. C'est elle qui a commencé à me pointer les problématiques de confiance en moi que j'avais et notamment parce que quand j'avais pas confiance en moi, elle me montrait qu'elle-même avait facilement peur. Et donc, grâce à elle, j'ai découvert Linda Kohanoff aux États-Unis, qui fait ce métier depuis des années, chez qui je me suis formée. C'est la pionnière mondiale dans le domaine de l'accompagnement par le cheval. Elle a créé donc cette approche EponaQuest qui est véritablement particulière parce qu'elle s'inspire de l'observation des chevaux. Donc, les chevaux ne sont pas des outils, ce sont vraiment nos maîtres, nos partenaires de travail. Et on s'inspire de la sagesse des chevaux sur la façon dont ils savent sentir ce qui se passe dans leur environnement, sur l'agilité émotionnelle qu'ils ont, leur capacité à être dans le moment présent, et aussi beaucoup sur leurs compétences relationnelles. En observant les troupeaux de chevaux, Linda s'est rendue compte qu'il y avait un autre modèle que le modèle très prédateur que nous on utilise beaucoup dans nos sociétés modernes. Et donc elle nous a décortiqué tout ça pour que nous, humains, on puisse apprendre de la sagesse des chevaux, comment devenir des leaders qui soient tout aussi puissants, mais dans la bienveillance et dans la collaboration. Et donc le travail avec les chevaux se fait toujours à pied. Ça c'est très important, il n'y a pas besoin d'être cavalier pour venir travailler et faire des activités avec les chevaux. Alors, cet après-midi, on fait une expérience inédite puisque j'accueille Lucille Develamin et Michael Evrard qui font des méditations guidées au tambour ensemble. Alors, j'organise aussi des stages en groupe sur des thématiques bien particulières. Il y a par exemple un stage que je co-anime avec mon ami Sylvain qui a été formé à la même approche que moi. On accueille une dizaine de personnes pour travailler ensemble sur qu'est-ce que c'est que devenir un leader puissant et bienveillant au 21e siècle et sortir de ce paradigme du leadership prédateur de nos sociétés. Des activités pour apprendre comment se connecter avec le cheval, comment rester dans le moment présent avec le cheval. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on peut se faire suivre par un cheval et comment est-ce qu'on peut pousser un cheval et lui demander de faire un parcours pour vraiment développer toutes les compétences dont un leader a besoin au 21e siècle, c'est-à-dire être présent, être connecté à l'autre, avoir aussi toujours le sens de l'observation de ce qui se passe dans l'environnement pour protéger le groupe, et puis savoir inspirer les gens à nous suivre et aussi savoir pousser un peu les réfractaires quand il faut.